C'est ça, rigole. C'était l'échauffement. Vous allez voir. Ok, alors attention. Boule. J'y vais. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air tellement meilleur que des croquettes. Robin! Touche pas à mon copain! Non mais ça va pas la tête, Caporal. Robin, t'as rien fait du tout. Allez, sirop de fraise pour tout le monde. Cuit-cuit. Viens par ici, mon petit. Cuit-cuit. T'as des croquettes dans les oreilles ou quoi? Caporal, on vient de te dire de laisser Robin tranquille. Caporal, laisse mon brouilleur à pigeon. Ce n'est pas un jouet, c'est pour attraper les oiseaux espions. Caporal. Encore toi. Si je t'attrape, je fais un nœud avec tes oreilles. Mais Madame Styx, c'est Caporal qui essaie tout le temps de croquer Robin. Bill veut le défendre, c'est tout. Quoi? Mon petit Caporal ne ferait pas de mal à une mouche. Vous êtes prévenus, toi et ton chien, je vous ai à l'œil. Je vais vous surveiller 24 heures sur 24. Mais elle est complètement ouf, celle-là. T'inquiète pas, Bill. Comme ça, elle verra bien, cette sorcière, que tu fais rien de mal. J'arrive plus à voler. Un petit oiseau servi sur un plateau. Merci. Je le savais. Interception de l'agresseur. Bill, attention! Fichue machine! Ben alors, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. C'est sûrement parce qu'il t'a fait peur, méchant chat! Et puis t'as les plumes toutes emmêlées. Normal que tu ne puisses plus voler. Allez, hop! Oups. Allez, prends bien ton élan. Vas-y, fonce, tu peux y arriver.
Oh oui. Toujours pas. Bon, alors un grand coup de turbo. Non. T'inquiète pas, Robin. On va trouver ce qui t'empêche de voler. Tension normale. Pas de blessure. Plumage parfait. Tu as l'air en pleine forme, Robin. Tu pourrais même faire le tour du monde. Bah oui, mais le problème, c'est qu'il ne décolle même pas du jardin. Pas d'inquiétude, ça doit être le stress. Il faut qu'il se repose un peu. Et surtout, le tenir éloigné du chat. Merci, docteur. On va bien s'occuper de lui. Le tenir éloigné du chat, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oh, écoutez, j'ai une idée. Allez, s'il te plaît, Caporal. C'est notre copain, Robin. C'est pas une petite croquette. D'accord, je vais le lâcher. De toute façon, j'en ai assez de me faire à tatiner. Youpi! Bill, il est d'accord. C'est trop génial. Youhou! Quelque chose me dit qu'on peut pas lui faire confiance. Oh! Allez, Robin, n'aie pas peur. Bats des ailes comme ça. Je suis sûre que tu peux le faire. Ok, ok. C'est parti. Et mon estomac, ça te dit de le visiter? Pouh, je suis trop bête. Pourquoi je l'ai cru? J'en étais sûre. Elles valent pas une croquette, ces promesses. T'inquiète pas, on va trouver un abri bien sécurisé, promis. Je connais un super endroit. Hein? Elle est sympa, ta maison, Bill. C'est comme mon nichoir, mais en plus grand. Profites-en, là-dedans, tu seras au poil pour te reposer. Et il a pas intérêt à revenir dans le coin, ce sac à puce. Désolée, fausse alerte. Mais Robin, tu voles. Hein? Mais oui, youhou. Tu vois, fallait pas stresser. Une petite sieste et c'est reparti. Hé, Raspot, essaye de m'attraper maintenant. Oh oui, avec plaisir. Tu tombes à pic. Hein? Bravo, Général Stick. En plein dans le mille, cette fois. Alors, qui va bien pouvoir te sauver maintenant? Peut-être la tortue? Bah, les pattes. Il est terrible, il va revenir, c'est sûr. Hé, les copains. Quand Robin est tombé, Caporal avait un truc bizarre entre les pattes. Ça se reflétait au soleil. Je suis sûre que ce truc a un rapport avec le problème de Robin. Bon, faut aller voir ce que c'est. Pas trop vite, Bill. Il faut d'abord qu'on se débarrasse de ça. Trop de fastoche, on va l'embrouiller. Qu'est-ce qu'il fabrique, celui-là? Où est-ce qu'il est, ce sale cabot? Caporalounet, toujours sage comme une image. Opération réussie. Parfait, place à la phase 2. Capture de l'ennemi. Prêt, Robin? Fais dodo, petit caporal. Fais dodo, t'auras du lolo.
fatigue morale. La voix est libre. Alors, tu te promènes tout seul? Tu devrais rester avec tes amis, tu sais. Allez, viens par là, mon petit. Laisse-toi, Robin. Ça, c'est bien joué, Robin. T'as été super courageux. Tenez, on a trouvé ça. Je crois que c'est à vous, non? Ouais, et ça aussi. Mais oui, c'est mon boîtier anti-pigeon espion. Eh bien, Caporal s'en est servi pour essayer de croquer Robin. Oui, et c'est pas gentil. C'est sûr, faudrait un peu mieux le surveiller, ce sac à puce. Hein? Caporal! Ouh là là, on dirait que ça va barder. Merci bien, Caroline. C'est une très bonne action de ramasser toutes les boques de châtaigne, car elles ont des piquants qui peuvent faire très mal. Surtout si quelqu'un s'assoit dessus, t'imagines? Aïe! Merci. Je comprends pas. Comment tu fais, toi, pour pas te piquer? Oh, j'ai une carapace et une peau très, très épaisse. Ah, j'ai pas encore dit mon dernier mot. Mais oui, je sais comment je vais faire. Oh, bravo, Bill. Ça, c'est très ingénieux. Ah, Bill le débile. Toujours en train de jouer avec un bâton. Bill, Caro, j'ai une super nouvelle à vous annoncer. Un couple de mésanges vient d'avoir de petits... Des bébés mésanges? Oh. Venez. Allons voir ça de plus près. Accroche-toi bien, Caro. Salut les petits nouveaux. Oh, ils sont trop mignons. Allez, à plus les amis. Et voilà, terminé. Vous m'avez bien aidé, merci. Caporal! Alors comme ça, tu veux croquer des pauvres petits oisillons sans défense. Youpi, j'ai volé dans les airs. Les mésanges te remercient beaucoup, Bill. Tu as été trop génial. Ouais, mais tel que je connais Caporal, il va revenir. Salut, Bill, ça baigne. Vous tombez bien, les copains. J'ai besoin de vous. Oh, elle porte des tongs maintenant, Madame Stick. Hein? Hey, mais c'est encore de la triche.
t'attaque au prépluche. Ouais, t'inquiète. Bien, il n'y a plus qu'à mettre en place le plan B. Ah, ce gros Nico de pluche, ça va être un jeu d'enfant de me débarrasser de lui. Ah ben voilà, c'était exactement ce qu'il me fallait. Alerte rouge. Ah ben non, c'est moi qui ai faim. Un sandwich. Non, pas bien, je dois pas bouger d'ici. Oh, et puis zut, à la fin. Ben, où est-ce qu'il est passé? Ah, le voilà. Quoi? Mais c'est qui se moque de moi, ce sandwich? Là, on va bien rigoler. Hé, hey, le chien, plus un geste. Tu mets tes pattes sur la tête. T'es en état d'arrestation pour vagabondage. Bye bye, pluche, mes amitiés à la fourrière. Personne à la ronde, ces oisillons sont tous à moi. Eh ben j'ai eu chaud. Oh, ça pique de partout. Bien joué, les amis. Tu l'as dit? Mais t'étais où, toi? On a transformé Caporal en hérisson. Le problème, c'est que Caporal va revenir. Alors on fait quoi, maintenant? Oh, je sais pas, moi. On demande à Poule de nous aider. Super idée, Caro. Vous deux, vous restez ici pour surveiller les oisillons. Youhou! Faites attention, les amis. On vous a atomisé. Évidemment, vous avez pas arrêté de tricher. Regardez, derrière vous, il y a Bill et Caro qui arrivent. Arrête, je te crois pas. Ça prend plus vos embrouilles. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, Bill? Tu veux me montrer quelque chose? Un chat? Tu imites un chat? Oh, regardez, un nid avec des petits oisillons. J'ai compris. Il y a un chat qui veut les manger. Et je parie que ce vilain chat, c'est Caporal. Alors, je sais ce qu'on va faire. Mais j'ai besoin de temps. Donc, en attendant, vous empêchez Caporal d'approcher, d'accord? Où est-ce que t'es encore allé te fourrer, espèce de nouille? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es endormi? Ouais, et d'ailleurs, c'était super cool. Je rêvais que je traversais une forêt où les arbres, c'était des cuisses de poulet. Ah, c'est pas vrai, où est-ce que j'ai mis ce truc? Je l'ai trouvé. Je vais aller croquer ces petits oisillons et personne ne pourra m'en empêcher. Personne. Une souris! Alors ça, c'est vraiment parfait! Ça fera un excellent hors-d'œuvre!
Opération diversion, phase 1. C'est parti. Oh, elle commence à m'énerver, cette souris de malheur. Kao, amène la souris le plus loin possible du parc. Réussi 5 sur 5. C'est pas une vraie souris, ça. J'y crois pas, je me suis fait avoir. Bon appétit, caporal. Évite de manger les piles, quand même. Opération diversion, phase 2. On a presque terminé. Je me sens pas bien du tout. Je crois que ça irait mieux quand j'aurais mangé ces oisirs. On dirait que la voie est libre, mais méfiance tout de même. Peut-être que c'est un piège. Non, c'est bon, il n'y a personne. Allons-y. Quoi? T'arrives trop tard, caporal. Regarde plutôt par là. Génial. Les oisillons vont pouvoir dormir tranquilles là-haut. Bon, bah voilà, t'as plus qu'à redescendre maintenant. Comme ça, on pourra jouer à chat. Très drôle. À toi de jouer, Robin. Oh là là, je sens que la nuit de caporal va être très longue. Oh oui, elle va être très très longue. C'est tout. Jaloux de qui? D'un koala avec des couettes et d'une espèce d'escargot à roulettes? Fais pas trop le malin, je vais te friser les moustaches. Oh, mon pauvre caporal! Tu me rattraperas jamais, sac à puce! Tu vas laisser mon chat tranquille, espèce de sale cabot! Oh.
Avec ça, je suis sûre qu'on va la gagner, cette course des engins volants. Ouais, cette fois, Axel et Luna ne feront pas le poids. Oh. Hein? Mais... Confisqué! Tu as intérêt à retrouver mon chat, sinon tu peux dire adieu à ton jouet. Quoi? J'ai vu ton chien. Il courait après mon pauvre chat sans défense. Sans défense, lui? C'est ton chien. C'est donc à toi de retrouver mon chat. Oh, mon dirigeable! Oh là là, comment on va faire pour la course? Bon, il faut qu'on retrouve Caporal. Ah, bravo, Bill. Je commence à en avoir ras-le-bol de toutes tes bêtises. Il commence à en avoir ras-le-bol de toutes mes bêtises? C'est fini, il m'aime plus. C'est vrai qu'il a l'air fâché, Bull. Mais je suis sûre qu'il te pardonnera si on retrouve Caporal. Oh, Caro, je t'adore. Bon, vous êtes avec moi? C'est que j'ai rendez-vous chez le pédicure. Une griffe cassée. Désolé, moi j'ai toute ma niche à ranger. Alors, c'est qu'il faut chercher? Caporal. Ah, Caporal? Oh, ça tombe mal, j'ai un tas de graines à trier là. Bah bravo, hein. Ça c'est des amis. Quand on a vraiment besoin d'eux, il n'y a plus personne. Désolée, je voudrais bien vous aider, mais le problème c'est que Caporal a voulu me croquer plein de fois. Et moi, il m'a griffé super fort la truffe. Et en plus, il sent le hareng. Oui, je sais, mais faut que Bull pardonne à Bill. Oui, excuse-nous Bill. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va faire des équipes. Hein? Des sushis. Bill. Ming, je viens de flairer un truc trop berk. Suivez-moi. C'est comme si c'était fait. Trop fort, Bill. Chercher un chat dans une poissonnerie, bien sûr. J'aurais dû y penser. Oh zut, c'est fermé. Du hareng. Ça sent le hareng. Ça vient de par là. Ouais, je crois qu'on tient une piste. Youpi! Wouhou! Ouais! Et d'ici, je vois tout. Tu peux plus te cacher, Caporal. Super Curline va te trouver. Wouhou! Ouais! Pas de panique! J'arrive! On a besoin de Bill, là! Eh oh! Caporal! Caporal! Viens, Minou, Minou, Minou! Oh! Ça fait déjà plus d'une heure qu'on cherche ce chat! Excusez-moi, vous auriez pas vu le chat de ballon Sushi Pop par hasard? Et vous, vous n'auriez pas vu le chat de Madame Stick par hasard? Ah, le voleur de sushi! Non, et franchement, tant mieux! C'est dingue ça, il ne s'est quand même pas envolé. Ça c'est sûr, mais vu qu'on ne l'a pas retrouvé, va falloir qu'on demande un délai à Luna et Axel pour la course. Bill! Bill! Coucou, je suis là. Ouh, c'est quoi cette odeur? Hareng sort, label rouge. J'en mettrai ma truffe à couper. Vite, il faut que tu viennes. Quoi? Caporal est tout près, je le sens, il est dans ses poubelles. Oui, peut-être, mais il y a une urgence, là. Caro a besoin de ton aide. Fonce, Bill, on va s'occuper des poubelles. Tant qu'on l'a pas trouvé, on lâche pas l'affaire. Promis. Merci, les copains. Je savais que je pouvais compter sur vous. Ah, au secours, je vais lâcher. Tiens bon, Caro. T'es là, Bill.
juste un petit délai de rien du tout. Ah ah, c'est bon, les nuls. Vous avez 5 minutes. Après, on ira dire à tout le monde que votre dirigeable est complètement dégonflé, comme vous. Dégonflé? Viens, Boule, on va leur montrer. Je te parle. Hé, attends-moi. Coucou, est-ce que vous avez vu mes ballons? Là! Regarde, c'est notre maison! Bravo, Caroline! Je suis là, mes petites chéries. Je vous aime, je vous adore. Robin, Caro, tout va bien? Cette voix, je l'ai déjà entendue quelque part. Caro a dû atterrir dans le jardin de Madame Stick. Hey, dis donc, j'entends pas que des mots d'amour. Il y a des hoquets aussi. Hein? Mais oui, c'est Caporal. Waouh, il est dingue de ses croquettes. Bon, allez, Caporal, sois gentil maintenant. Sors de cet arbre. Pas la peine, vous l'attraperez jamais. Mais tu vas sortir de là, espèce de ventre sur pattes. C'est que tu sens bon, Bill. Nom d'un os à moelle, j'empeste le hareng. Sers-toi de l'odeur, Bill. Allez, viens avec moi, Robin. Mon pauvre Caporal, dis à tes animaux de le lâcher tout de suite. Oh, je le savais, c'est bien vous les kidnappeurs. Quoi? Des sacs de croquettes? Mais qu'est-ce qu'ils font dans ce tronc? Oh, c'est que je suis obligée de les cacher pour empêcher Caporal de s'empiffrer. C'est malin, non? Désolé, je vous ai accusé à tort, les enfants. Tenez, j'ai amélioré quelques petits trucs, vous verrez. Merci, Madame Stick. Rentre. Chose est sûre, Caporal, il est pas dans l'eau.
Depuis la nuit des temps, les hommes sont fascinés par la Lune. Mystérieuse, elle leur a paru longtemps inaccessible. Neil Armstrong est le premier homme à avoir foulé son sol, le 21 juillet 1969. Waouh, j'aimerais trop aller sur la Lune. Oh, moi aussi, moi aussi. Les gouttes du vétérinaire vont bientôt te déboucher les oreilles, mon pauvre caporal. Vous rêvez d'envoyer votre animal préféré sur la Lune? La limonade Lunabulle lui offre le voyage. Inscrivez dès maintenant votre ami à quatre pattes pour la sélection. Alors ça, ça serait trop génial. Vous deux, sur la Lune? Ouais! Visiter les étoiles, ça a toujours été le plus grand rêve de mon chat. Chut. Bonne chance, vous allez en avoir besoin. Ah, les copains, je vais faire de vous des astronautes. Wouh, je vole. Wouhou, Bill et Caro, parfait. Vous êtes déjà des champions de l'apesanteur. Oh, un trampoline. Allez, caporal, fais-moi ce parcours en moins de 15 secondes. Go, caporal, go! Secondes et 11 centièmes. Bravo! Première phase réussie. Continue comme ça et tu auras la chance d'être le premier chat à marcher sur la Lune. Quoi? Comment ça marcher sur la Lune? J'ai pas envie d'y aller, c'est beaucoup trop loin. Phase numéro 2, mets ta tête là-dedans. Pas question! Ouh là là! Est-ce que ça va, Bill? À toi, Caro. Allez, vas-y, Caro. L'équilibre, bof bof. Bon, on va passer à autre chose. Phase numéro 3, manger des rations spatiales. Sauf qui peut. Reviens. C'est délicieux. C'est moi qui l'ai cuisiné. Que tu veux, toi? C'est horrible, j'en peux plus. Aide-moi, je veux pas aller sur la Lune. C'est quoi encore cette embrouille? Rentre chez toi. On va tester votre sang-froid. La tomate ne doit pas tomber. Tada! Gili 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 gili. Oh. Ah non, c'est de la triche. Pas le droit de se servir de ses oreilles, ça compte pas. Bon allez, est-ce que vous êtes prêts pour le niveau 2? Caro, c'est perdu. Toi, Bill, sans les oreilles. Attention, c'est parti, niveau 3. Ah! 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 Ah!
non, je peux pas sans les oreilles, c'est impossible. Alors, sang froid, très très insuffisant. Je reviens tout de suite. Hein? J'en ai ras-le-bol de son entraînement. La lune, c'est nul. Et en plus, on gagne même pas de salade. Et si on allait voir où en est le moustachu? Ne bouge pas. Je reviens tout de suite avec le tuyau. Bah alors, ta piscine aujourd'hui? Il est trop mimi, ton bonnet. Ma maîtresse veut me faire jouer les poissons-chats. C'est quoi le rapport avec la lune? C'est au cas où je tombe dans la mer à mon retour. Oh, oh non, 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 non. Me revoilà. Caporal, on n'a pas encore terminé. Dommage, j'aurais bien aimé le voir nager. Je peux presque tout supporter, mais pas l'eau, c'est trop mouillé. Bon, tant pis pour toi. Il y avait une belle récompense qui t'attendait. Un tonneau rempli de harengs or. Hein, quoi? Et c'est maintenant qu'elle me dit ça? Il faut que vous m'aidiez à gagner. Bah, tout à l'heure, tu voulais perdre. Faudrait savoir. Si je vais sur la lune, vous aurez la paix pendant 2 semaines entières. T'entends? Très t'entends. Oui, c'est clair. On va te faire un entraînement du tonnerre, caporal. Équilibre, vitesse, tout ce qu'il faut. Génial, on y va. C'est parti. Alors, j'espère que t'es prêt pour le niveau 1. Équilibre en zone dangereuse. Tu dois rester accroché au dos de roquette le plus longtemps possible. Eh oh, ça sent l'arnaque, votre truc. Est-ce que tu veux gagner ou pas? Mais tu vas me lâcher, oui? Tu as entendu des sauts tout de suite? Bravo! Tu as été très courageux. Franchement, quelle bande de malotrus! Incroyable! Quel sens de l'équilibre! Waouh! Un vrai astronaute! Bill! Caro! Vous avez fini l'entraînement? Il est où votre chat? Parti! Pourtant, c'est fabuleux d'aller sur la lune, tu ne trouves pas? Peut-être que pour des animaux domestiques, c'est pas aussi cool que pour nous. Allez, je vais y aller à fond. On va voir si tu peux résister à un décollage. Je suis prêt. Doucement, Bill, il risque de vomir. Il faut que ça aille plus vite. Caporal! Est-ce que tout va bien? Si ça va, je me sens fort, hyper fort même. Je suis le meilleur. Je crois qu'on a fait de lui un monstre. Ah, vous voilà enfin tous les deux. Je vous ai préparé un tout dernier entraînement trop cool. J'ai compris, la lune, c'est pas trop votre truc. C'est pas grave, vous inquiétez pas. On arrête l'entraînement et on va jouer. Caro, t'entends ce que j'entends? Ah ouais, j'adore l'idée. Bill, attrape ça. Bonjour.
Bonjour à tous. Nous voici à quelques instants du décollage. Chaud devant. L'équipage est fin prêt et surtout Caporal, le chat. Alors ça y est, Caporal va s'envoler pour la Lune. Bon vent. Ça c'est clair, à nous les vacances. Nos caméras sont braquées sur lui. Il vous laisse d'ailleurs admirer son aile réjouie. Il a une tête bizarre, Caporal. On dirait... Madame Stick. Oh mais oui, c'est Madame Stick. C'est pas possible! Il est où, Caporal, alors? Miaou! Miaou! Aller sur la Lune, c'était son réveil! Mais je comprends pas. Tu l'as bien gagné, ce voyage sur la Lune? Ouais, et un gros tas de harengs-sorts, surtout! Attention, le compte à rebours va bientôt commencer! Super! Donc il part pas. Et en plus, il va nous pourrir la vie avec ses poissons puants! Peut-être, mais regarde ce qu'on a, nous! Waouh! Wow. T'as raison, Caro. On n'est peut-être pas sur la Lune, mais on a de la lunabule. Régalez-vous. 8, 7, 6, 5, 4. Opération lunabule. Lancement réussi. 1, à l'image des réacteurs. Et c'est parti. Pour la fête des mères. Ça vous plaît? Je vais le laisser ici jusqu'au goûter. Je veux que ce soit une surprise. Bon, allez, on retourne jouer? Ça marche. C'est bon, papa, je suis prêt. Parfait, voyons voir cette recette de gâteau. Mia, maman va adorer. Prête, Caro? Essaye d'attraper ça. Ça, c'est clair. Boule va être furieux. Phew, c'est bon. Le beurre, c'est bon. La farine, c'est bon. La levure... Non, c'est pas grave. C'est pas un peu de levure qui va changer les choses, non? Je sais pas. Phew! Ils ont rien entendu. Qu'est-ce qu'on va faire, Bill? T'inquiète pas, on va réparer nos bêtises. Vous avez des petits problèmes, on dirait. Ça te regarde pas, Caporal. Je dis ça parce qu'il y a une machine à remonter le temps chez moi. Waouh! Une machine à remonter le temps! Et alors, pourquoi est-ce que tu nous dis ça? Ben, c'est comme dans l'épisode de Max contre le docteur du futur. Ah, mais oui! On va remonter le temps pour t'empêcher d'abîmer le cadeau de maman. Mais tu gagnes quoi, toi? Pas grand-chose. Je veux que tu m'accordes 4 vœux. Allez, Bill, dis oui. D'accord. Mais on sera jamais copains, hein. D'abord, je veux récupérer Coin-Coin. Rocket me l'a volé. Pardon, mais Coin-Coin, c'est pas un nom de souris. Oui, bon, c'est pas la question. Je veux le récupérer. Trop fastoche.
À l'attaque! Il y a plein de bave dessus. Ben, tu pourrais dire merci. Mon deuxième vœu est le suivant. Je veux la commande de sushi de ma maîtresse dans le scooter. Ouais, t'es sûr que c'est pas du vol? Faut que tu restes concentré, Bill. Oui, mais je peux quand même en manger un tout petit bout. Il le saura jamais. Bill! Oh bon, d'accord. T'es prête? On va y aller. 1, 2, 3. Je crois qu'on a oublié quelque chose, Boule. Le sucre. C'est pas du vol, je les aurais mangés de toute façon. Troisième vœu, je veux rentrer là-dedans. Pluie de rose au royaume des chats. Ça parle de quoi? À ton avis? Ouais, d'accord, mais t'as vu le panneau? Interdit aux chats. Ça, c'est votre problème. Moi, je veux voir ce film. Oula! Il a pas l'air commode, lui. Va falloir qu'on fasse diversion. Comment? Eh, vous pouvez nous aider? Maintenant, il faut mettre le thermostat sur 9. C'est pas vrai. C'est quoi son problème à ce four? Bon, 7. C'est toujours mieux que rien, non? Alors, c'était comment? Franchement, c'était horrible. J'en ai assez de cette histoire de 4 vœux. Attends, j'arrive tout juste au vœu numéro 4. J'ai l'impression que j'ai quelques pouces. Il faut que je m'en débarrasse. Parfait, on est à côté de chez la toiletteuse. Loulou est la meilleure contre les puces. Loulou! Hé, hey, Loulou! Alors, Bill, pourquoi est-ce que tu traînes avec ce chat de malheur? C'est une longue histoire. On l'aide et il nous aide. T'aurais pas un truc contre les puces? T'es toute seule, Loulou? Ouais, ma maîtresse est pas là. On a le salon pour nous. C'est parti, opération anti-puce. Je me sens mieux. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais merci. Par contre, j'ai faim maintenant. Hé, tu les as eus, tes 4 vœux. Alors montre-nous cette machine à remonter le temps. On en a besoin. Attendez-moi une seconde. On aurait peut-être dû battre les blancs en neige. On doit tout recommencer. Tada! Wow!
J'arrive pas à le croire, elle existe vraiment. Comment ça marche ce truc? Caporal? T'inquiète Caro, je vais... Hein? Une essoreuse à salade? Caporal! Soit tu trouves une solution à notre problème, soit je t'essore comme une laitue. Tu me fais pas peur. Oh, d'accord, j'ai peut-être une idée. 9, 9, 9. Oh, mais quelle plaie ce four, on va jamais y arriver. Oh, et voilà. Celui-là, il est bon. Il est pas très joli, mais il a bon goût, c'est vrai. Allez, va vite chercher ton cadeau, je vais appeler maman. Merci, Caporal. Tu nous as bien aidés. Bah alors, tu me remercies pas, Bill. C'est pas très poli, surtout que je t'ai fait un petit cadeau surprise. Ah bon? Quel cadeau? C'est une surprise, j'ai dit. Un indice, ça te gratte pas trop. Oh, oh non! Tu m'as donné des puces, tu vas me le payer très cher, Caporal. Bill, Caro, c'est l'heure du goûter. Délicieux. Je veux absolument connaître cette recette. Quelle main, maman? Celle-là. Waouh! Elles sont magnifiques, ces photos. C'est tellement... original. Oh oui, c'est... c'est intéressant. Joyeuse fête des mères, maman. Alors vous deux, je sais pas ce qui est arrivé à mon cadeau. Ne nous gronde pas, c'était un accident. Oh, si seulement la machine à remonter le temps existait vraiment. Mais maman a bien aimé. Et c'est tout ce qui compte, venez là. Caporal!